Salut à tous, c'est Mister Freeze. On se retrouve donc dans les marais de Tabanta. Une chose que j'ai oublié de faire, c'est que il y avait une technique d'escrime qu'on pouvait aller chercher maintenant. J'y suis pas encore allé, bon bah tant pis. Alors ce marais, je vous expliquais un peu le principe du truc. Donc voilà, déjà on peut se déplacer qu'avec ça. Et en gros, il va falloir trouver trois fragments dorés. Il y a plein de serpents partout qui vont nous permettre d'ouvrir une grande porte pour continuer en fait. Donc là on peut rien faire ici. Je connais pas du tout le chemin par cœur encore une fois. Mais normalement ça devrait aller. C'est par là. Voilà, donc on va obtenir l'arc ici. Je sais pas comment ça se passe avec les... Ok, la mini ça survit pas du tout dans le... Je me rappelle pas l'ordre, hein. Je sais pas s'il y a vraiment un ordre, faut juste avoir l'arc. On va commencer par là, tant pis. Sérieux là? Voilà. Est-ce qu'on peut aller chuter au rang? Encore une fois, le boomerang est très utile. Voilà, donc là on a l'arc. Parfait, c'est ce qu'il fallait faire en premier. Enfin, on peut aller là, mais... Oups. Je sais pas comment on peut aller là en miniche en fait. Ça doit être un truc caché avec un fragment, quoi. Voilà, et l'arc, ça va permettre de tuer les trucs comme ça, là. Reste comme ça pour l'instant. Non, oh, sérieux là. OK. Les ennemis sont beaucoup plus résistants. C'est un endroit où on peut crever assez facilement quand même, mine de rien ici. Ah ouais, d'accord. Alors cet endroit là, c'est là où se trouve déjà un cœur de cœur.
Et ensuite... C'est voilà le premier Teshin. Mais il faut avoir tous les autres... précis d'escrime avant de venir ici pour avoir la technique ultime. Alors ça c'est le but je crois, voilà. Là il faudra venir là quand on aura les trois fragments pour pousser le mur. Ah putain, il peut même marcher dans la vase, les petites saloperies là. On va faire ça, comme ça on aura un petit raccourci. Donc ouais, ça c'en était à la base en fait. On va prendre l'arc. Ça fait deviner hein, quoi. Il fallait tirer dans l'œil des statues. Bon, je sais pas trop où faut aller là. Là vers le bas. Toujours faire le raccourci comme ça. Hein. Voilà, premier fragment doré, cube 2. Du coup, il doit y avoir des endroits où je suis pas allé, hein, forcément. Je sais pas, est-ce qu'on pourra aller au-dessus, là? Non. Ah bah si. Attendez, donc là, je suis déjà allé. Je crois que je suis pas allé au nord-est. Est-ce que là j'y suis allé ou pas? Ça, ça me dit rien. Non, je suis jamais allé ici. Alors attention à lui, il est chaud. Je sais plus comment on peut le battre. Ouais, il faut taper dans le dos. Ça c'est les ennemis les plus forts du jeu, hein. C'est Dark Knut. Voilà, plus qu'un. Alors, où est-ce qu'on n'est pas encore allé? Bon, elle est là, dans le doute. Ouais, pas parfait, c'était là. Alors, juste qu'il y a par ici. Ouais, raccourci. Voilà, donc bah ça c'est fait. Maintenant on va retourner tout en bas à gauche, là où il y a le, là où faut mettre les trois fragments.
Ah ouais, mais j'étais allé par... Merde, je peux pas y aller par là. Putain, j'avais fait comment? Avec la tornade? Elle est où? Ça va être là au-dessus. Non, j'ai pas pris le coffre. Qui se trouve là. Ok. On peut venir là en mini-niche. Ok, ouais. On va prendre ce coffre avant. D'abord les faire. Oups. On cru m'avoir. Ruby qui passe par ma vie, je m'en doutais un peu. Ok, c'est parti. Ok. Et maintenant, le dernier. En tout cas, c'est bien sympa ces environnements. Et les musiques sont vraiment sympas aussi. Elles s'intensifient des fois. En place, c'est la même musique que tout à l'heure, mais en plus intense. Alors ça, c'est quoi déjà? Faut faire gaffe. Non, dégage le chat. Putain, il va pas me faire chier pour une vidéo. Dégage! Là, on va faire ça. Oula. Ça va nous one-shot l'araignée, elle va nous monter. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est un indice assez important pour après. En fait, elle a été désactivée celle-là, donc même si on la touchait, ça servait à rien en fait. En fait, ça marche aussi bien la tactique brunée comme un con. Voilà. Non, dégage, putain. Attends, dans l'épisode 1 de South Park, là, il me fait trop chier. Dégage! Alors là, ouais, je pense qu'il faut tuer les araignées vu la couleur du sol. On appelle ça des araignées, mais. Plus des puces ou je sais pas quoi. Hein? Faut pas les tuer? Pourquoi y'a un truc là alors? Bizarre. C'est presque sûr qu'il fallait tuer toutes les araignées. Peut-être. Attends, on aurait dit qu'il y avait un endroit comme pour faire apparaître un coffre.
Ah, mais on peut venir en mini-niche là, regardez. Il y a des lianes, non? Ou c'est moi qui rêve? Non, c'est du décor. Du coup, par contre, là il y a un truc au sol. Peut-être qu'on peut faire pousser quelque chose, je sais pas. Ça fait un peu comme le haricot du mini-niche. On va tuer les serpents d'abord. Je sais pas si ça sert à quelque chose, mais. Ils vont sûrement réapparaître, parce que c'est un peu magique quand on se transforme en mini-niche, il y a tout qui réapparaît. Les textures qui se refont et tout. Ah bah si, c'est bon. Il n'y a plus les serpents. Voilà, par contre, les mini-niches, c'est vraiment des merdes. Je comprends pas, ils peuvent passer dans les tout petits trucs. Mais pas entre les brins d'herbe. Bon. Et en tout cas, ouais, je vais encore me répéter, mais il est trop beau le jeu pour de la GBA, c'est. Top niveau, hein. C'est pas du tout rigide, c'est super souple et tout, comment. Ouais, vas-y. On va pousser, on sait jamais si on revient là un jour. Non, on dirait que le fragment il était dans l'herbe. Pas sur l'ennemi. Je savais pas qu'on prend un arbre dans l'herbe. Alors qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh putain. Donc l'attaque cyclone elle fait deux fois les dégâts d'une attaque normale. Ok, faut le toucher 4 fois. La logique. Ah oui, c'est le contraire, faut la désactiver ça. Hein? Super cool. Ah oui, l'attaque Brisog, ça sert aussi pour ses ennemis, ouais. J'y avais pas pensé. C'est vrai que pour ses ennemis, c'est génial l'attaque Brisog. Hein. Peut-être faut tous les tuer alors. Ouais, c'était ça, fallait tous les tuer. Putain, mais attendez. Mais si, je suis con. On va essayer un truc. On peut pas passer par là. Putain, je suis sûr que. Il y a un truc avec. En mini-niche ici. Mais non, il y a de l'herbe là. Putain, mais si, c'est sûr. C'est peut-être pas là alors, c'est peut-être après. Ça me choque, hein. Je suis sûr qu'on peut passer en mini-niche quelque part. Ah, mais c'est peut-être là en fait. Ouais, c'est ça. Ah, bah je savais bien que c'était des lianes, bordel. On va aller le voir celui-là. Hein. Ah yes. Je sais que j'avais oublié un truc. Attention là. Vous pouvez les tuer au boomerang ou à l'arc. Mal non plus. Ah
Avant, ils étaient chiants, mais maintenant qu'on les tue en deux coups au lieu de quatre. Ah, je savais bien que j'avais oublié un quart de cœur ou un truc comme ça. T'as les lianes, je me disais, hein, c'est du décor. Mais non. Allez, go. On est bientôt à la fin du marais, là. Enfin, on n'est plus dans le marais, de toute façon, on est dans les ruines du vent. Mais... Du coup, là, le... La graine, je sais pas. On verra plus tard. Soit on va retourner dans plein d'endroits où on est déjà allé, parce que on n'a pas les objets qu'il faut pour l'instant. Il faudra tout refaire. Ah, mais je vais recommencer ça. Ouais. J'y arrive pas. Je dois refaire ça aussi. Lancement. Voilà. Et ça, c'est comment? C'est le bah, le donjon. Donc bah j'espère que cette vidéo vous a plu et puis ah je vais savoir quel objet on a ici. Ici on va obtenir un objet pour creuser, comme vous pouvez le voir, il y a des petits murs. Et ça servira aussi à creuser dans les espèces de murs rebouchés là. Comme s'il y avait du ciment dessus. Bah ça nous servira à ça, à les ouvrir. Donc voilà, nous voilà dans le temple du vent, c'est ça? Enfin c'est le vent là. Ruine du vent, temple du vent. Ouais, forteresse du vent. Donc dans la forteresse du vent, donc je vais vous laisser ici et puis j'espère que vous avez apprécié la vidéo et à la prochaine. Salut!